Je suis donc Marina Lipovetska et je suis donc directrice de l'ONG Magnolia en Ukraine. Et aujourd'hui, grâce à Missing Children Europe, nous avons la possibilité d'échanger nos succès, mais également d'apprendre de nos échecs et de tirer des leçons ensemble. Aujourd'hui, j'ai donc une collègue brillante, Pigi Protopsaltis. Donc, elle travaille pour Smile of the Child en tant que coordinatrice de la coopération internationale. Et nous avons également Julie Brémond qui travaille pour Utopia 56, pour ECPAT France. Et elle est également représentante adjointe au niveau de l'Europe. Mais aujourd'hui, elle va partager son expérience en tant que coordinatrice de Smile of the Child en Grèce. Je reviens donc à ma deuxième panéliste, Julie Brémond. Donc depuis seulement le mois d'octobre, elle travaille à ECPAT France, Utopia 56, et elle se dédie surtout aux mineurs non accompagnés. Et elle partagera avec nous son expérience sur les défaillances du système, car les mineurs non accompagnés, eh bien, parfois ne sont même pas identifiés comme étant disparus. Et puis nous aurons après une vidéo émanant du professeur Ilse Derluin. Donc, elle est professeure au Centre des études sociales sur l'immigration et les réfugiés à l'Université de Gand, en Belgique. Et cela nous permettra eh bien, d'avoir un retour sur, sur l'expérience que nous avons en Ukraine, car je pense que l'on peut également avancer ensemble en tirant des leçons de nos échecs. Merci. Merci pour la présentation. J'ai donc maintenant la télécommande pour passer les slides à ma guise. Alors, j'essaye d'accéder à la commande correctement. Voilà, on y arrive. C'est donc un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Merci pour l'introduction. Aujourd'hui, on va parler de prévention, le travail de prévention de Smile of the Child. Bien évidemment, on a également des actions d'intervention, mais aujourd'hui, on va parler de prévention, car il est important de retenir que même si on essaye d'agir au mieux en cas de disparition d'enfants, eh bien, je dirais qu'il est tout autant important d'agir sur la prévention. C'est quelque chose de complexe. On a déjà abordé ce point précédemment, ce matin, en évoquant le fait qu'il faut eh bien, regarder quelles sont les causes du problème. Donc, je ne vais pas passer trop de temps à présenter l'organisation. On a déjà parlé de nos fondateurs et vous connaissez également la vision de notre organisation. Mais sur cette diapositive, eh bien, je vous donne un ordre, je vous donne quelques éléments sur l'étendue de nos actions et de nos missions. Donc, les personnes disparues représentent seulement un segment de nos actions.
On est également en soutien et en accompagnement des enfants eh bien, qui sont sujets à des exploitations sexuelles, des enfants qui sont violentés. Et on est également aux côtés des enfants qui ont des problèmes de santé et aux enfants vivant dans des situations de pauvreté. Et dans tous ces cas, eh bien, nous avons beaucoup d'expérience. Quels sont nos principes clés ? Premièrement, nous sommes présents à l'échelle nationale. On travaille 24 heures sur 24, tous les jours de l'année. Donc, l'un des principes fondateurs de notre association, c'est de toujours pouvoir répondre présent lorsqu'on nous sollicite. Et enfin, on fournit nos services à l'ensemble des enfants présents en Grèce, quelle que soit leur origine ou leur statut, du moment qu'ils sont présents en Grèce, qu'ils sont sur le sol. Alors, donc je vous parlais du segment principal. Donc, nous sommes la principale ONG qui travaille sur ce sujet. Nous travaillons donc en étroite collaboration avec les autorités. On a donc 27 années d'existence. Deux fois par an, eh bien, nous publions nos statistiques et revenons sur nos actions. Et en 27 ans, nous avons pu répondre présent auprès de 2018 enfants. En 2022 seulement, on a pu répondre à l'appel de 1515 enfants disparus et de 167 adultes. Vous vous demandez pourquoi il y a Vous demandez seulement à quoi correspondent les chiffres, puisqu'on a annoncé 2000 enfants à 27 ans. En fait, il s'agit des différentiels entre les actions de prévention et également l'ensemble des enfants auxquels nous avons apporté de l'aide. Donc, la prévention. On va parler de prévention, puis d'intervention et enfin de coopération. Donc, on va venir en détail sur tous ces points. Commençons par la prévention. Donc, nous avons donc des lignes téléphoniques dédiées, ces hotlines. Ensuite, nous avons un département dédié à la prévention et aux campagnes de sensibilisation auprès des communautés scolaires. Nous offrons également des actions de formation auprès des professionnels et des différentes parties prenantes. Et enfin, nous menons des campagnes de communication auprès du grand public. Enfin, nous menons des actions ciblées auprès des populations vulnérables. Et je vais vous dire exactement ce que j'entends, notamment dans la catégorie des fugues. On va parler des fugues, mais également des réfugiés, des enfants migrants. Donc, beaucoup d'actions d'intervention, de prévention, pardon. Mais, bien évidemment, nous avons également un volet intervention. Donc, encore une fois, pour cela, notre hotline 116 000 est primordiale. Et nous avons également une hotline nationale, le 10-17. Ensuite, différents outils. On a déjà évoqué l'alerte Amber, notre système EMAS, donc notre système automatisé. Enfin, la coopération qui est fondamentale au niveau local, donc au niveau régional, au niveau national, mais également à l'échelle européenne et internationale. Commençons par le commencement et la prévention. Que peut-on faire à ce sujet ? Donc, on a parlé des campagnes de sensibilisation auprès des communautés scolaires, donc à notre public, les étudiants, le corps professoral, les tuteurs et les parents. Nous avons également ces outils, ces hotlines, des actions de formation ciblées. Donc, depuis plus de 10 ans, nous avons décidé d'avoir un département qui soit vraiment dédié à la prévention sur le mal qui peut être fait aux enfants, donc sur les victimes potentielles. En 2022 seulement, eh bien, on a mené des actions de prévention auprès de plus de 1316 étudiants. Comment est-ce qu'on s'y prend ? On a des relais, donc des psychologues,
professionnels qui interviennent aux quatre coins du pays. Chaque jour, ils se rendent dans différentes écoles et interviennent directement auprès des élèves. Les enfants disparus, c'est un volet qu'ils évoquent, mais ce n'est pas le seul volet. Ils parlent également du harcèlement, du droit des enfants, etc. Donc, comment est-ce qu'on s'y prend pour mener ces actions? On a un protocole d'accord avec le ministère de l'Éducation. Donc, ces personnes qui interviennent doivent être validées. On doit donc avoir le feu vert des autorités pour que ces personnes interviennent auprès des étudiants. Notre outil principal, lorsque l'on parle de prévention des personnes disparues, c'est notre outil Real Life Stories, qui est un outil de narration, pardon, et The Little Ducking, donc ce qui est un outil très populaire auprès des jeunes. Donc, Real Life Stories, c'est vraiment le fait de relater un fait, une histoire, auprès des étudiants. Et à travers la narration, les questions, les réponses, eh bien, les étudiants prennent connaissance du problème, des actions à mener, etc. En 2022, et ça c'est vraiment les chiffres de 2022, on a pu mettre au point 84 interventions, 53 programmes à l'adresse de 1316 étudiants. On a donc également eu des interventions auprès des tuteurs et des parents, 21 d'entre eux. Combien était-il au total ? 551. Et on a également mené des interventions auprès du corps professoral, 11 personnes. Donc, au total, 503 personnes. En 2022, on sait donc, nos chiffres ont donc augmenté de 14%. Et pourquoi cela? C'est parce que nous avons également des sollicitations. Non seulement nous allons, mais nous sommes également sollicités par beaucoup de personnes. En fait, la réalité, c'est qu'on ne peut même pas répondre à l'ensemble des sollicitations. Donc, jusqu'à la fin de l'année académique, on a déjà notre emploi du temps qui est complet. Donc, c'est vraiment pour vous dire à quel point nous sommes demandés et à quel point on répond à un besoin crucial. Car malheureusement, on voit également un nombre de plus en plus important de fugues au sein de notre pays. Ensuite, l'autre programme, The Little Duckling, c'est un programme qu'on a débuté il y a quelques années. Donc, c'est vraiment par rapport à la santé mentale. Et pour cela, on a recours à l'art, à la narration, également aux marionnettes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on raconte l'histoire de ce petit personnage qui va à un marché, à qui il arrive des choses. Et puis donc, c'est un jeu de rôle. Et grâce à ce jeu de rôle, eh bien, les enfants qui sont assez jeunes, eh bien, acquièrent des règles, des principes. Est-ce qu'on a le droit de parler, de ne pas répondre? Qu'est-ce qu'on fait si on se sent en danger? Etc. Donc, là, c'est un programme à l'adresse des éducateurs. C'est vraiment quelque chose de très populaire. Et ce programme a vraiment un impact parce qu'il permet de sensibiliser les enfants sans les effrayer. Ensuite, donc, à part ce département qui est dédié, on a donc nos hotlines, nos outils. Donc, il y a différentes lignes. Il y a une ligne nationale, 1056. Après, il y a une ligne européenne pour les enfants et les adolescents, le 116-111. Donc, ces deux numéros et toutes nos hotlines, en fait, eh bien, sont gérées par les mêmes opérateurs qui travaillent sans relâche tous les jours de l'année et qui travaillent de façon confidentielles, qui recueillent les données de façon anonyme, etc., et qui protègent l'ensemble des données. Et ces personnes-là sont les personnes qui peuvent conseiller,
et aider les personnes qu'ils ont au bout du fil, donc les enfants, mais aussi les adultes. Et je suis aussi fière de vous dire qu'on a également intégré des enfants, en fait. Et donc, au cours de cette période, nous avons décidé de travailler avec des enfants qui prennent le téléphone, qui décrochent et qui eux-mêmes répondent aux sollicitations d'autres enfants. Et cela, ils peuvent également le faire en utilisant le chat. Donc, c'est par téléphone, mais également avec le chat, puisque c'est également une pratique de plus en plus utilisée par les jeunes. Et on a également donc une petite photographie avec les principaux chiffres. Vous voyez plus de 4 millions d'appels sur 27 années. Comme j'ai dit à Myrène, il va falloir que je fasse vite parce que moi, j'ai du mal à m'arrêter. Voilà les lignes dédiées, le service pour les enfants. Ça, c'est le soutien des conseillers. Et ça, on prévient parce qu'on veut aider les enfants avant qu'ils partent de la maison, avant qu'ils fuguent. Et on attache beaucoup d'importance sur la formation de tout le monde, les procureurs, les enseignants, les travailleurs sociaux, tout le monde, pour qu'ils soient conscients de cette question des enfants disparus, pour pouvoir déceler les raisons et quoi faire après. Donc, on fait ça en ligne et sur place. Et pendant le COVID, on a mis sur place l'Académie SMILE et on donne beaucoup de formation à tous ces groupes. Le 25 mai, c'est la journée internationale des enfants disparus. C'est très important de faire quelque chose ce jour-là. C'est notre responsabilité et notre rôle d'augmenter, de sensibiliser tout le monde à cette question pour voir tout le monde, pour montrer ce que nous faisons pour les enfants disparus, pour aussi augmenter la sensibilisation. On fait beaucoup de choses, des communiqués de presse, une communication dans les médias sociaux, les réseaux sociaux. On a des spots, des campagnes et on a aussi cette action avec le myosotis. Voilà, ça c'est des photos de l'IMCD, des activités qu'on a menées au cours de l'année. J'ai parlé du département de prévention, des lignes dédiées. Et maintenant, les actions ciblées pour les groupes vulnérables, qui sont c'est ceux qui fuguent, les fugueurs. Ça, c'est la catégorie la plus importante. Donc, il faut comprendre pourquoi ils fuguent et comment on peut empêcher ces fugues. Les malentendus par rapport à ces enfants et aussi les malentendus en ce qui concerne les dangers, s'ils vont fuguer. Et aussi, on a tout un projet, le projet radar concernant les fugueurs. Donc, qu'est-ce qui les mène à fuguer, la sensibilisation, donner des réponses, et on veut à la fin avoir des recommandations. Je n'ai pas le temps de vous présenter tout, mais j'espère que la présentation sera disponible pour vous pour que vous puissiez regarder tous les détails. En principe, c'est un projet qui se focalisait sur les fugueurs et sur les raisons pour lesquelles ils fuguaient. Et donc, quand on parle de prévention, c'est important d'être conscient de ces raisons pour voir ce qu'on peut faire de la part de tous les professionnels qui travaillent avec ces enfants et pour les parents aussi. La prévention est clé. Voilà, c'est une étude de prévention. Je ne peux pas vous parler de tout. Les expériences traumatisantes qui poussent les enfants à fuguer. Le projet a fait une carte de tout ça. Toutes ces informations sont sur le site de l'AMC. Vous pouvez tout regarder dans les détails. Ça, c'est un survol du projet. Ça, c'est le rapport de recherche, les conclusions, les campagnes de sensibilisation, la formation et comment on donne les conclusions du projet Radar et aussi on a un cours en ligne qui est ouvert massivement pour augmenter la sensibilisation. Je vais devoir finir ici.
Et je vais maintenant passer le relais à Julie. Donc, les autres actions sur lesquelles on focalise, c'est pour les enfants migrants et réfugiés. Lorsqu'il y a eu des crises, par exemple en 2015, en Grèce, on a eu énormément d'enfants migrants qui sont venus. On a dû mener des actions. On a une brochure que vous voyez en anglais, français, arabe et en perse. On voulait que ces populations soient conscientes qu'ils puissent nous contacter s'ils perdent vue de leurs enfants et pour rester informés de la situation. On a dû recruter des interprètes avec l'ukrainien, le perse et l'arabe parce que, bien sûr, la guerre en Ukraine a encore recréé un problème des parents qui perdent leurs enfants, qui ne savaient pas quoi faire. Donc, on a dû intensifier nos actions. On a travaillé beaucoup avec le Haut Commissariat pour les réfugiés de l'ONU pour augmenter, pour sensibiliser. Je ne vais pas parler des interventions, faute de temps, et ce n'est pas la question principale de ma présentation, mais les interventions sont aussi, on veut prévenir, mais on doit intervenir aussi si les enfants disparaissent. Et on a toute une liste d'actions. Nous avons, voilà ici, les cas qu'on a eus et on voit qu'il y a eu 9071 cas et ici, on a eu 199 enfants qui ont disparu. On a eu plus de 66% étaient des fugueurs. Voilà juste quelques indications. Le nouveau système, la recherche et la rescousse. Et je promets, j'arrête. La coopération est la dernière façon de travailler pour prévenir parce que notre rôle à l'AMC, au niveau national, on travaille avec la police, les forces sécuritaires, l'armée, les préfectures, les universités. On a des protocoles de collaboration au niveau international. On travaille avec NCMEC, ACMAC, avec PROTECT et avec beaucoup d'autres acteurs parce qu'on trouve que c'est très important de travailler ensemble pour augmenter la sensibilisation. Désolée que j'ai été pressée, mais j'espère que j'ai respecté la limite de temps. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de cette présentation et désolée d'être limitée. Mais on a de la chance qu'on est ensemble. Magnolia a décidé de rejoindre Missing Children Europe et je me souviens que votre organisation Smile of the Child est là où on est allé en premier. Et nous avons été inspirés par vous et on a ce numéro 106-000 et nous, l'Ukraine, nous ne sommes pas encore membres de l'Union européenne, mais je confirme que c'est une organisation brillante qui a beaucoup d'impact, qui ont le cœur ouvert, ils ont beaucoup d'expérience et nous avons de la chance d'avoir ce réseau, comme ça on peut apprendre les uns des autres. Donc, maintenant, Julie, je vous cède la parole et on attend avec impatience de vous entendre. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Julie et je vais parler des mineurs non accompagnés à la frontière française. Donc, je vais vous donner un peu de contexte. Je travaille avec 5 organisations. La plupart d'entre elles se trouvent à Calais et Dunkerque. On a ECPAT France et la Croix-Rouge qui vont dans ces campements pour identifier les enfants et ils peuvent travailler. C'est du travail social. Il y a Safe Passage, une organisation qui se spécialise dans la réunification des familles. Ça, c'est de France et du Royaume-Uni. Il y a aussi Utopia 56 et à la frontière, c'est une organisation humanitaire qui comble les écarts.
qu'on va regarder en ce qui concerne les conditions de vie. Et la dernière chose, c'est une plateforme qui coordonne la capacité de toutes ces organisations. Donc, la plupart d'entre elles sont à Calais ou Dunkerque. Et c'est là où elles interviennent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le public va de Cherbourg et ça traverse la frontière au Royaume-Uni. Et ça va aussi de Cherbourg plus dans les terres. Parce qu'il y a des gens qui se cachent dans les terres. On travaille avec un public qui est très mobile. On va rencontrer les mêmes enfants à la frontière. Et il y aura d'autres organisations qui vont les rencontrer à Bruxelles ou à Paris. En ce qui concerne les mineurs non accompagnés, les numéros que vous voyez ici, les chiffres plutôt que vous voyez, datent de 2022. ECPAT France a identifié 320 mineurs non accompagnés et la Croix-Rouge en a identifié 761 à Dunkerque. Et les équipes, il y a deux personnes, un travailleur social et un interprète. Ces chiffres sont ceux qui ont été identifiés. Il y a tous les autres enfants qu'on n'a pas pu identifier pour plusieurs raisons. Ils se cachent dans les hôtels. Ils n'ont pas le droit de venir à des organisations parce qu'ils sont dans un contexte de des organisations de contrebande ou de trafic. Donc, on sait que ce n'est qu'une infime part de tous les enfants dans ces campements. Et on a des mineurs non accompagnés parce qu'ils sont sur le territoire d'un pays sans leur tuteur légaux. Ils sont très vulnérables, pas protégés par leur famille, mais dans notre cas, il y a aussi d'autres facteurs qui augmentent cette vulnérabilité. C'est qu'ils sont invisibles aux autorités et aux services, et aussi c'est la pauvreté dans laquelle ils vivent. Et une chose qui les met à part d'autres mineurs, c'est que c'est un public qui sont en transit et donc ils sont toujours sur ces routes migratoires. Ils veulent aller au Royaume-Uni et donc ils ne tombent sous les catégories prévues par le système français pour les mineurs non accompagnés. Ici, on voit des conditions de vie de ces mineurs non accompagnés. On parle de campements. Donc, ça ne ressemble pas à des camps de l'ONU. Ce ne sont pas des camps de l'ONU. Il y en a qui vivent dans des tentes, d'autres n'ont même pas de tentes. La plupart n'ont même pas de couverture. En termes des besoins basiques, ces gens-là n'ont pas d'accès à l'eau ni à la nourriture. Il n'y a pas de gestion des déchets. Les centres de soins sont très loin. Ces camps sont beaucoup plus éloignés des centres urbains, donc ils n'ont pas accès à des centres de santé. Donc, il n'y a pas vraiment d'intervention pour leur fournir des informations. Donc, ces gens-là auraient du mal à avoir des services pour avoir accès à leurs droits. Et dans la partie nord de la France, il y a une politique que pas de point de fixation pour que les gens ne s'établissent pas là. À Calais, il y avait un camp qui a été démantelé en 2016. C'était une question très sensible en France. Et voilà ce qu'on voit sur le terrain. Chaque 24 à 48 heures, la police arrive et va saisir toutes les tentes, les couvertures, tout ce qui pourrait être utilisé comme abri et tout ce qui ressemble à un campement. Dans 98% des
des cas. Il n'y a aucune proposition d'abri alternatif. Donc, on prend tout leur matériel, mais ils n'ont rien. Et à Dunkerque, ils ont même coupé les arbres pour que les gens ne puissent pas s'établir là. Et donc, ils ont même retourné la terre pour que les gens ne puissent pas monter des tentes. Donc, entre Calais et Grand Saïd, il y a des opérations toutes les 12 heures pour chaque enfant qui reste, par exemple, s'il reste entre 2 jours ou un an et demi, ils vont avoir un ordre d'éviction. Et au mois de novembre, il y a eu une tempête très importante dans cette région et il n'y avait pas d'option d'abri pour ces gens-là. Donc, lorsque le temps se gâte, bien sûr, les conditions de vie empirent. Pourquoi je rentre dans ces détails en termes de conditions de vie, même si ce n'est pas exactement le sujet, c'est parce que ça a un impact sur les enfants qui sont déjà dans des situations très précaires, simplement du fait d'être là sans leur famille. Mais à ça, on rajoute une destitution totale quand un enfant ne peut pas répondre à ses besoins les plus basiques. Et donc, ça veut dire que les enfants qui sont déjà vulnérables à la violence, à l'abus sexuel, ils vont rentrer dans cette logique d'exploitation sexuelle. Je crois que vous avez déjà entendu parler de ça. Par exemple, quelqu'un dit « vous pouvez avoir une douche en contrepartie de services sexuels ». Il y a beaucoup de personnes qui vont travailler pour ce réseau de contrebande en contrepartie des besoins ou pour recevoir la possibilité d'aller au Royaume-Uni. Et l'argument que je voulais présenter aujourd'hui, c'est que la question principale pour nous en termes d'enfants disparus, c'est le fait qu'ils deviennent invisibles. On dit que ces enfants n'étaient simplement pas identifiés et on ne sait pas ce qui se passe avec eux. Peut-être ce sont des fugueurs de Bruxelles. Peut-être quelqu'un a tenté de suivre cet enfant. Une fois, si la personne arrive au camp, personne ne l'a vu, la recherche va s'arrêter là. Mais parfois, les enfants qui ont été sous la protection de la jeunesse en France, ils pourraient devenir invisibles. Il y a tous ceux qui étaient présents. Donc, pour ceux qu'on peut identifier, systématiquement, il y a un rapport rédigé pour les enfants en danger en français. On va envoyer de l'information qui inquiète pour dire que cet enfant est en danger. En France, les services de protection de l'enfance sont pensés que si un enfant arrive en France, ça veut dire que l'enfant veut rester ici. Si moi, j'envoie des informations, les services me posent la question, est-ce que cet enfant veut rester ensemble, en France plutôt? Si l'enfant ne veut pas rester en France, c'est vrai que ce service ne peut plus rien faire. Donc, l'enfant doit vouloir rester en France. Le problème ici, c'est que si l'enfant n'a pas d'informations sur le droit de pouvoir rester en France, en tant qu'enfant, le droit à la protection, à l'abri, cet enfant ne va pas chercher cette protection, ne va pas faire la demande de rester en France. La plupart des enfants qu'on rencontre ne sont pas au courant et ils ont une raison d'aller au Royaume-Uni. On doit parler avec l'enfant, essayer de comprendre pourquoi ils veulent aller au Royaume-Uni. Peut-être ils ont un frère. Il y a des moyens légaux pour qu'ils aillent au Royaume-Uni, mais peut-être s'ils ne savent pas, ils vont essayer d'utiliser des moyens illégaux. Ils vont dire mes empreintes digitales sont par exemple en Grèce. Donc, il y a toute une panoplie de choses
qui font en sorte qu'il faut absolument donner cette information aux enfants. Et on dit qu'un de vos droits en France, c'est d'avoir accès à un abri, la maison avec la croix et l'abri. À Calais, seulement un tiers des enfants en 2022 ont pu accéder à cet abri à Calais ou à Dunkerque. C'est une tente. Et donc, ça, c'est un temps de répit, là où l'enfant se repose. Donc, le travailleur social ou le travail social ne fonctionne. Parce que d'abord, l'enfant doit avoir tous les documents, la documentation. Ils ont un toit, la nourriture, tous leurs besoins de base sont satisfaits. Mais le lendemain, à Calais, ça peut prendre jusqu'à 5 jours, ça peut prendre ce temps. Les enfants entendent la question, est-ce que vous voulez rester en France? D'habitude, ils ont peur. Et si l'enfant ne veut pas rester en France, donc ils sont renvoyés dans le camp parce qu'ils veulent aller au Royaume-Uni. Des 318 cas ont pu aller jusqu'au service de protection de l'enfance. Et on pense que seulement 3 d'entre eux sont toujours sur le coup de la protection de l'enfance. Le reste ont fugué. Mais on n'a pas de communication sur les cas de ceux qui ont fugué. J'en parlais avec une organisation. Une organisation voulait de l'information, mais l'enfant avait fugué. On a eu l'information trop tard. Les enfants vont revenir au camp parce qu'ils veulent aller au Royaume-Uni. Mais on va savoir par la suite que l'enfant ne s'intéressait à rien, il voulait juste aller au Royaume-Uni. Mais il faut vraiment travailler très fort et ça nécessite beaucoup de travail. Je vais continuer, mais je veux vraiment parler de cette question qu'il n'y a pas d'alerte, il n'y a pas de communication des campements informels et des services de protection de l'enfance. Mais ça rend les enfants encore plus invisibles parce que leur nom était dans le système. Ils ont disparu, ils reviennent au campement, mais ils sont complètement invisibles. Je ne veux pas pointer du doigt les services de protection parce que même sur le terrain, on verra ça. On voit des enfants 2-3 fois, parfois pendant un an et demi. Mais si le lendemain, si la personne disparaît, ça veut dire qu'on va penser que la personne est allée au Royaume-Uni ou en Belgique. Et il y a, disons, c'est devenu presque la norme. Et ça, c'est quelque chose que tous les acteurs qui travaillent avec les enfants voient. Une conclusion qu'on a tirée, c'est que 98% des enfants disparaissent et on n'a aucune idée d'où ils sont. Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils sont sous la protection d'un service? S'ils n'envoient pas un message par WhatsApp ou nous, on envoie un message et on reçoit une réponse, si on n'a pas cette information, on n'a aucune idée de ce qui s'est passé avec eux. Donc, le problème que nous avons, c'est qu'ils disparaissent et ils ne sont pas identifiés comme disparus parce qu'ils sont dans le projet de vouloir migrer vers le Royaume-Uni. Et c'est dans cette optique que tout est analysé. Et comme on avait dit plus tôt, ils sont très vulnérables parce que du fait d'être des mineurs non accompagnés, grand risque d'exploitation. Donc, je peux vous donner peut-être une centaine de cas, et ce n'est que ce qu'on connaît, mais ils pourraient être enlevés parce que, disons, ils vont, les kidnappeurs, ils vont utiliser l'argent, ils vont tenter d'avoir des rançons des parents. On va déjà dire que les enfants sont arrivés au Royaume-Uni. Et si on ne s'inquiète, est-ce que les enfants ont intégré des
6 de protection au mois en janvier 2023. 136 enfants qui étaient dans des hôtels non accompagnés, pour non accompagnés au Royaume-Uni avaient disparu. Et ils ont commencé à travailler pour des gangs. Ils avaient été kidnappés par des bandes. Ça, c'est un hôtel seulement au Royaume-Uni. Donc, je vais tenter de résumer. Donc, en termes de prévenir la disparition des enfants, première recommandation, il faut d'abord savoir qu'ils sont présents, ils sont là. Il faut avoir une équipe sur le terrain qui va explorer, qui veut travailler sur dans les campements, qui veut créer des liens avec ce public très craintif. Ils ne vont pas aller vers vous si vous ne vous approchez d'eux. En ce qui concerne les rapports qu'on fait pour les services de protection de l'enfance, ce n'est pas suffisant de juste les identifier. Il faut avoir un travailleur social affecté à ces enfants qui va suivre les enfants, qui fera un suivi, va comprendre comment l'enfant est arrivé là, quelles sont les options éventuelles, comment on peut travailler de manière sécuritaire avec toi pour te protéger. Ce travailleur social va identifier les vulnérabilités et quels sont les facteurs de risque que l'enfant fugue. Et il va travailler sur les causes principales. Est-ce qu'il y a une façon de les sortir des institutions? Si vous travaillez pour quelqu'un qui travaille en contrebande, comment est-ce que vous êtes retrouvé là? Sur ce point, c'est de se refocaliser sur le travail social. On regarde ça par le prisme du projet migratoire. Quels sont les intérêts de l'enfant pour ne pas faire en sorte qu'il disparaisse? Et après, il faut bien sûr renforcer les alertes parce que peut-être l'enfant n'avait pas disparu. Peut-être l'enfant est quelque part en Belgique. Comment est-ce que je peux le savoir? On a commencé à travailler comme ça. On a travaillé avec d'autres services qui viennent de la Belgique, qui veulent traverser la frontière. Ils échouent, ils rentrent en Belgique. Et il y a un travailleur social qui avait une charge de travail semblable. On échange nos cas et il y a cette ligne dédiée 116 000 et on a d'autres cas où des enfants qui fuguent, qui veulent aller au Royaume-Uni, ils ont disparu dans leur pays d'origine, mais on n'a pas les informations sur eux pour avoir la bonne alerte. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire. On doit l'harmoniser. On doit inclure tous les acteurs, y compris ceux dans la protection de l'enfance et dans une solution idéale. Il faut vraiment avoir des travailleurs sociaux dédiés pour avoir un vrai suivi. Et pas du tout. Merci beaucoup, Julie. Merci pour votre intervention vraiment focalisée sur l'importance des associations qui travaillent sur le terrain. Il y a en réalité donc un besoin qui est nécessaire. Vous voyez ces statistiques, ces chiffres, puisque vous avez ces personnes qui ont besoin de tout. Et le problème, eh bien, c'est que la plupart d'entre eux, eh bien, disparaissent, mais ne sont pas identifiés car on ne sait pas qu'ils sont là. C'est pour cela qu'il faut améliorer la coopération avec les différentes tranches, les différents secteurs de la société, mais également améliorer la coopération avec les autres pays. De mon côté, je ne peux que vous souhaiter de continuer dans votre action et de vous souhaiter un plein succès parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail pour améliorer cette
coopération. Et ça, c'est vraiment mon point de vue en tant que membre de mon association. Merci donc encore pour cette intervention. Et maintenant, on est un petit peu en retard sur notre programme, mais on va vous diffuser la vidéo du professeur Derluin, professeur au Centre des études sociales sur l'immigration et les réfugiés. L'interprète est dans l'impossibilité de traduire le contenu car le son est vraiment trop bas. On va voir si on peut résoudre le problème en technique. Circumstances in host countries impact their well-being, but not so much is known on what happens in between and how do these experiences impact an unaccompanied minor's well-being. Therefore, we wanted to look. On a donc voulu regarder les différents points que vous voyez à l'écran, donc en termes d'expérience, d'impact psychologique. Comment est-ce qu'on a réalisé ces études? On a donc réalisé ces études sur 4 pays, Libye, Italie, Grèce, Belgique. Dans ces 4 pays, on a demandé donc aux mineurs non accompagnés de participer. Donc on l'a fait dans différentes configurations, dans des centres de détention, dans des centres dédiés aux victimes, dans des campements informels. Donc ça, c'était à la frontière. On s'est donc rendu dans des centres de détention en Grèce et dans d'autres centres pour les mineurs non accompagnés en Grèce et en Belgique. Donc on a eu entre 35 et 80 personnes qui ont participé à notre étude dans chaque pays. On leur a donc posé certaines questions, surtout dans la deuxième étude. Les personnes étaient en Grèce, en Italie, en Belgique. On leur a demandé de nous donner leur trajectoire migratoire pour voir ce qui s'est passé sur leur itinéraire. Donc, on a essayé de les suivre sur une période de 24 mois. Donc, on les avait en ligne et cela nous permettait d'avoir vraiment davantage de données et de mener à bien des entretiens avec eux. Donc, ce que je voudrais vraiment vous présenter, c'est ce que vous voyez sur la diapositive. Donc, beaucoup de jeunes garçons. Je ne peux pas vous donner les détails des résultats de toutes nos études, mais je vais vous donner vraiment les axes principaux et surtout les facteurs expliquant ces trajectoires. En termes de mobilité, alors c'est pas surprenant, mais pour autant, on n'en parle pas beaucoup. Ces trajectoires migratoires sont longues et complexes. Longues en termes de durée, pour certains, ça prend 2 années, mais c'est également très complexe. Donc, ils voyagent à un pays, rentrent chez eux, puis prennent la route vers un autre pays, parfois décident de continuer dans un autre pays en Europe, en passant par l'Italie, puis continuer plus au nord en passant par les Pays-Bas.
Donc, il y a vraiment des trajectoires migratoires complexes. C'est un processus qui n'est pas continu, qui est interrompu avec des allers-retours. Ça, c'est quelque chose que l'on sait, mais là, vraiment, on l'a documenté avec des données. Et ça, c'est vraiment intéressant d'avoir des données probantes. En termes de mobilité géographique, on va dire qu'il y avait deux groupes principaux. On peut généraliser certains des résultats. Donc, il y a une partie des personnes qui savent où ils veulent aller. Donc, c'est ce qu'on appelle les trajectoires directes. Ils veulent aller, par exemple, au Royaume-Uni aussi vite que possible. Et ils vont faire tout ce qui est en leur moyen pour y arriver. Deuxième catégorie, les gens qui ont des trajectoires beaucoup plus discontinues, peut-être ils n'ont pas une destination précise en tête. Et ils passent d'un pays à l'autre, restent un certain temps dans un pays avant d'aller dans un autre. Donc si vous regardez ce groupe-là, on a essayé de mener à bien des entretiens avec eux pour connaître les raisons. Certains parce qu'ils ont eu des difficultés dans la procédure pour obtenir des papiers, ou bien qu'ils sont sans papiers, ou bien peut-être ils ne sont pas satisfaits avec leur situation. Vous voyez les verbatims. Donc des personnes, lorsque je suis arrivée, on m'a promis de s'occuper de mes documents et de mes papiers, mais ils n'ont pas tenu leur promesse. On peut se laver qu'une fois par semaine, on n'a pas assez à manger. Et on a juste un petit peu d'argent tous les 15 jours. Vous n'avez pas le choix. Vous devez accepter cette situation. Et vous n'êtes en droit de demander rien d'autre. Ça, c'est vraiment ce qu'on nous a dit. Donc ça, c'était pour ceux qui ont des trajectoires qui sont interrompues, discontinues. Et après, on voit également l'impact du réseau familial pour les personnes qui vont dans un pays, puis dans un autre, parce qu'ils vont rejoindre une personne de leur famille, mais peut-être qu'ils se rendent compte que la personne de leur famille qui voulait les rejoindre, finalement, n'a plus envie de les accueillir. En tout cas, il y a des raisons familiales qui expliquent cette trajectoire interrompue. Donc, vous voyez là le témoignage. J'ai de la famille en Allemagne et en Espagne. Mon oncle habite en Allemagne, mais refuse de m'aider. Et j'ai pas eu de nouvelles de mon oncle qui habite en Espagne. On voit également les procédures d'attente. Et ça, c'était surtout pour les personnes en Grèce. La procédure d'attente d'obtention des papiers et la procédure de Dublin a vraiment un impact sur la vie de ces mineurs. Parce que eh bien, cela peut les emmener à changer de pays et à changer leur destination initiale par une autre. Vous le voyez, par exemple, sur les verbatims, je suis fatiguée, stressée, parce que ça fait 2 ans que je suis là et j'ai toujours pas eu d'entretien en vue d'obtention de mes papiers. Et lorsque j'y pense, ça me rend triste. Ça, c'est un garçon de 18 ans. Et je vois une autre personne dans les témoignages qui nous dit qu'ils ont tout fait, mais que ce sont les autorités grecques qui ne veulent pas que je reste. Donc, si on regarde les facteurs, on voit que la famille, le réseau familial, les amis ont un impact. La destination, donc le pays, la qualité des soins et l'accompagnement qui peut être donné, l'attente, le processus d'attente pour obtenir les papiers. Tout ça, ce sont des facteurs dont ils tiennent compte. Ensuite, ceux qui décident de rester dans un pays, bah, c'est souvent lié à l'obtention de papiers.
Alors, ils vont essayer d'intégrer l'ascenseur social et de pouvoir s'en sortir dans leur pays de destination. Donc, quand on regarde ces trajectoires, il est important d'intégrer les facteurs explicatifs et également de prendre un petit peu de perspective sur des éléments de contexte plus large et des événements très difficiles. Donc, l'un de nos collaborateurs a parlé des cercles, des chaînes de violence. Donc, en fait, il y a des cycles de violence dans lesquels certains sont entrés. Donc, ça peut être lié aux détentions par la police, la violence aux frontières. Vous voyez un témoignage, quand on était en prison, un policier est venu avec des trafiquants, on était 5, 3 d'entre nous étaient des femmes et 2 étaient enceintes. Ils nous ont battus, ils nous ont violés et je suis le seul à avoir survécu avec un autre homme. Et on nous a demandé de payer 2 000 $. Et quand on leur a dit qu'on n'avait pas d'argent, ils ont continué à nous battre. Il y a également un autre problème de violence, c'est la violence sexuelle et les stigmas qui y sont associés. Si vous êtes noir, par exemple, et que si vous leur dites que vous êtes du Nigeria, c'est encore pire. C'est un autre témoignage où on nous dit que la personne a été battue, que la personne a été violée et que rien n'est fait contre les personnes qui se comportent ainsi. Et puis, il y a également l'accueil qui est fait dans les centres de réception. Enfin, les événements de vie qui sont stressants. Donc, on voit la violence, violence physique à hauteur de 92%. Et il y a violence sexuelle également et la violence en centre de détention à hauteur de 78%. Donc là, on voit, en regardant ces chiffres, qu'il y a un problème, qu'il y a plusieurs problèmes mêlés auxquels ces mineurs non accompagnés sont confrontés dans leur trajectoire migratoire. Entre la violence physique, la violence dans les centres de détention et la violence sexuelle. Mais on a également essayé de regarder les éléments en termes d'accompagnement social et en termes de santé, donc l'importance des activités journalières, s'occuper avec des petites activités sportives, ce qui leur permet bien de penser à autre chose et de ne pas ressasser les traumas qu'ils ont subis. Parce qu'ils sont vraiment dans une optique de survie. Donc, ça leur permet vraiment de garder leur esprit hors de l'eau. Donc, ça, c'est pour leur santé mentale. Ensuite, l'accès à l'information. L'importance également de leur père, donc d'un soutien. Donc, le soutien, la vie sociale est vraiment importante. Et là, vous le voyez sur la diapo. Donc, on a commencé avec des personnes âgées de 14 ans sur la gauche jusqu'à 18 ans. Et donc là, vous voyez les différents réseaux sociaux qui existent et qui peuvent venir aider ces personnes. Donc, le soutien de leur père et le soutien des personnes qu'ils rencontrent au cours de leur trajectoire. Ça, ce sont des soutiens qui sont appréciés et qui ont vraiment une importance. Et vous voyez sur la ligne bleue, le soutien formel qui a une importance et bien moindre. Vous le voyez, il est plutôt en bas sur le graphe. Donc, ce qu'on nous indiquait, c'était l'importance de la famille, des amis, de partager son expérience avec d'autres personnes pour ne pas se sentir isolé, savoir qu'on partage les mêmes expériences et les mêmes pensées. Là, vous avez un troisième témoignage sur quelqu'un qui nous parle d'un camarade à l'école avec qui il a du soutien pour communiquer, qui lui apprend comment fonctionnent les choses.
Et puis, le dernier témoignage qui parle de l'importance d'un réseau social important. Donc, en conclusion, on voit donc différentes trajectoires interrompues au niveau d'expériences traumatiques, sur leur trajectoire migratoire, avant, pendant et après la migration, et puis des facteurs de stress tous les jours. Et dans ces facteurs de stress, on inclut la discrimination. Donc, à partir de ces résultats, on a mis au point des recommandations. Je ne vais pas toutes vous les présenter. J'en ai choisi certaines. Donc, je vais vous parler des frontières. Si on parle des mineurs disparus, il faut vraiment avoir un système de protection aux frontières. Ces mineurs bougent, ils ne restent pas au même endroit. Donc, il faut être sûr qu'on a des moyens de protection adéquats pour s'assurer qu'ils seront exemptés de violence et qu'on peut les protéger convenablement. Donc, il faut une collaboration importante avec les services de protection de l'enfance, les services sociaux et les ONG, donc les volontaires. Ça, c'est vraiment important. Encore une fois, la violence à l'encontre des mineurs doit cesser. C'est aussi simple que ça. Ensuite, les conditions de détention. Il faut vraiment revoir nos politiques de détention pour les mineurs non accompagnés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment documenté et on demande l'arrêt de cela, non seulement au sein de l'Union européenne, mais également avec les pays qui travaillent, qui ont des accords avec l'UE. Ensuite, en termes de soins, et on a des recommandations sur ce qui peut être fait pour améliorer. Mais généralement, ce que l'on peut dire, c'est que la structure où ils sont accueillis est vraiment importante. Donc, il faut pour cela avoir des personnes qui sont correctement formées. Il faut avoir des personnes qui peuvent mesurer les risques auxquels ils peuvent être confrontés. Et donc, ces personnes doivent être formées convenablement. Il s'agit de professionnels. Je ne vais pas vous donner tous les détails qu'on a listés, mais il y a beaucoup d'aspects qui peuvent être améliorés sur les conditions de réception et d'accueil de ces mineurs. Donc ça, c'était des collaborateurs avec nous. Vous pouvez avoir plus de détails en consultant notre site internet childmove.eu. Et ça, c'est notre équipe. Et encore une fois, je souhaite vous remercier et je vous souhaite une bonne journée de colloque et j'aurai l'occasion de vous voir à une prochaine occasion. Merci beaucoup pour votre intervention. Ce que l'on retient, c'est que tous les mineurs non accompagnés font face à des risques très importants en termes de violence et d'abus, et que c'est seulement en travaillant ensemble qu'on pourra leur assurer un environnement plus sûr. Alors, maintenant, j'ai quelques questions pour vous, mais c'est vrai que je voudrais parler de mon expérience en Ukraine et partager avec vous des résultats de nos études et de ce qui s'est passé depuis l'invasion à grande échelle de la Russie en Ukraine. Plus
de milliers, plusieurs dizaines de milliers d'enfants ukrainiens ont été déportés par les Russes et cela a été documenté. Pourquoi est-ce que je vous parle de ces chiffres maintenant? Eh bien, c'est pour vous parler de la prévention. Parce que vous ne pouvez pas croire qu'un jour, vous allez ouvrir les yeux et que vous allez assister et vivre une explosion. On ne pensait pas que ça nous arriverait en Ukraine. Et pourtant, on avait des indications de la part d'autres pays sur cela. Mais jusqu'à ce que les bombes s'abattent sur nous, eh bien, on n'y a jamais cru. On n'a jamais cru que cela serait notre expérience. Imaginez-vous si ces choses-là sont possibles au centre de l'Europe, au cœur de l'Europe, ici où il y a 19 enfants qui ont été déportés. Et si ça, ça se produit dans vos pays, j'espère que ça ne sera jamais le cas, mais si ça se passe, comment pensez-vous nos ONG, vos sociétés, est-ce que vous êtes prêts à répondre à ce genre de choses, à ce genre de risques? Moi, je souhaite, et tous les Ukrainiens souhaitent de tout notre cœur que ça ne va jamais se passer. Mais si un pays va attaquer votre pays et ils vont commencer à déporter vos enfants de l'Union européenne ailleurs, est-ce que vous avez des dispositifs, des réponses prêtes? Et donc, où vous avez, disons, en quelques jours, 2 millions d'enfants qui sont devenus des réfugiés et il n'y a pas assez de services des frontières. Et bien sûr, la Commission européenne va, dans 2 mois ou dans 1 mois, va donner des recommandations dans 6 mois. Mais qu'est-ce qui va se passer avec vos enfants? Je porte attention à cette question parce que moi, vraiment, j'aimerais que quelqu'un nous dise 6 mois ou 1 mois avant l'invasion pour qu'on aurait pu faire quelque chose pour ce projet. Parce que les plans, ce ne serait pas juste 1 et 2 pour que les enfants et nous, on n'ait pas à courir et crier, paniquer. Donc, ça serait bien si vous pouvez apprendre de notre situation. Comme ça, vous serez prêts. Et de tout mon cœur, je vous souhaite que ce plan n'aurait pas à être utilisé. Mais soyez prêts. Merci. Donc, maintenant, si vous avez des questions ou des réponses, sentez-vous libre de poser vos questions. Oui, bonjour, merci. C'était très émouvant ce que vous nous avez raconté, ce que vous nous avez dit. Et quand on est inscrit dans la défense de l'enfant, on peut difficilement retenir ses sentiments, ses larmes, ses interrogations. Je voudrais poser une question à Madame Brémond, par exemple. On a vu les images des camps de Calais ou de Dunkerque, enfin, c'est des images en France. Je voudrais la première question lui demander, est-ce que de l'autre côté de la frontière, en Belgique, comment les enfants, les MNA sont accueillis? Est-ce qu'on voit les mêmes tentes, les mêmes difficultés à vivre pour eux? J'imagine au bord de la mer du Nord, ils veulent probablement toujours aller en Grande-Bretagne, donc ils attendent des moyens de transport, des bateaux. Peuvent mourir aussi en mer, on en a malheureusement connu. Ça, c'est la première question. Comment donc ça se passe de l'autre côté de la frontière en Belgique? C'est tout simple. Et puis, deuxième question, j'imagine que vous ne pouvez... qu'il n'y a qu'une seule réponse, c'est que quand on voit ça, c'est que la France ne respecte pas la Convention internationale des droits de l'enfant en la matière. C'est simplement ça. Moi, je suis bénévole à l'UNICEF et c'est pour ça que je me permets de vous poser cette question.
en tant que porte-parole de la Convention internationale des droits de l'enfant. Merci. Je vais répondre en français, du coup. Par rapport à la Belgique, donc on travaille en lien avec les acteurs belges, notamment les acteurs de la société civile. Les acteurs avec qui on travaille, donc, comme je disais, ont le même public que nous. Il y a un système qui a été développé en Belgique, qui a été pensé spécifiquement pour les mineurs en transit. Ça s'appelle le Hub. Et c'est un endroit où les jeunes ont accès à un toit, à un accompagnement multidisciplinaire et surtout à un endroit où se reposer. Encore une fois, je pense que ce qui est très important à dire, c'est qu'il faut travailler à l'adhésion des jeunes. Il faut que ces jeunes aient l'information. Mais comme le disait la chercheuse, il y aura toujours des jeunes qui continueront à vouloir partir pour une multitude de raisons. Notre rôle à nous, ce n'est pas de les empêcher de partir. C'est vraiment de faire en sorte que ce soit fait, que si ça doit être fait, ce soit fait dans de la manière la plus safe. Et la plus, enfin, qui aille dans l'intérêt supérieur de cet enfant. Donc oui, il y a des systèmes qui existent en Belgique. Après, moi, je ne suis pas spécialiste de la Belgique et je sais que les jeunes avec qui on travaille ne vivent pas sur des camps en Belgique, notamment pour la raison que finalement les passages aujourd'hui sont essentiellement en France, Calais et Dunkerque, parce que c'est la traversée la plus courte. Mais comme je disais, notamment du fait de la politique contre la lutte contre les points de fixation, pardon, qui est mise en place dans le nord de la France. Il y a énormément de présence policière, énormément de répression policière tout le long de la côte. Et donc finalement, on voit que les départs se font de plus en plus loin, avec aujourd'hui des départs qui partent du Touquet, de Boulogne. Et c'est des traversées beaucoup plus longues et beaucoup plus dangereuses. Donc voilà, tout ça pour dire que les jeunes qui sont en Belgique avec l'idée de transiter vont, pour la très, très, très grande majorité, finir sur les campements du nord de la France. Quant au respect de la Convention internationale des droits de l'enfant, on a participé cette année à la revue périodique. Le Comité international des droits de l'enfant a fait trois observations, a un peu rappelé la France à l'ordre, spécifiquement sur la situation des jeunes à la frontière franco-britannique, en demandant qu'il y ait des maraudes de l'aide sociale à l'enfance qui soient présentes sur les camps, comme je vous le présentais, pour s'assurer l'identification, mais aussi le suivi, le repérage et l'accompagnement de ces jeunes sur les camps, en demandant... il y avait tout un pan sur les violences policières, parce que j'en ai pas parlé, c'est pas forcément le contexte, mais énormément de violences policières sur les campements, et pour demander aussi une prise en charge qui soit adaptée pour ces jeunes et qui, encore une fois, qu'on sorte un peu du carcan du système existant pour se reposer la question de qu'est-ce qu'il faut pour ces jeunes et quel système va répondre aux besoins qu'ils ont et qui n'est pas le même qu'un jeune qui arrive en France dans l'espoir de s'installer en France et pour qui il va falloir une prise en charge très adaptée. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Merci. 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 Y a-t-il d'autres questions ou d'autres commentaires? Question du QR code. Pour les mineurs non accompagnés, quels sont les logements fournis pour les mineurs non accompagnés? Je ne sais pas si c'était... est-ce que c'est formel ou informel? Je dirais que c'est des campements qui sont auto-organisés. Calais, le camp a explosé, on pourrait dire. Donc, il y a beaucoup de camps informels. Et pour Dunkerque, c'est un grand camp qui est très violent. Et le contexte est très différent, mais le fil rouge, c'est qu'il n'y a aucune organisation, dans le sens qu'il n'y a pas de structure, il n'y a rien. Comment les gens sont capables de survivre, c'est qu'il y a des petites organisations qui arrivent pour distribuer des couvertures, des tentes, de la nourriture basique. Donc, il y a beaucoup de besoins, pas beaucoup de capacités. Je parlais de nourriture. Maintenant, à Calais, je peux dire que il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas même une fois par jour. Et en plus, donc comme j'expliquais, la police arrive puis ils prennent les couvertures et les tentes. Donc ça veut dire que les organisations doivent revenir pour
redistribuer des tentes et des couvertures. Donc, ce n'est pas organisé. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ça peut être des bidonvilles. Ce n'est pas un vrai campement bien établi. Comment améliorer les choses? Il faut tenter de résorber ces campements. On dit que les gens doivent rester là, non? Mais on trouve qu'il y a un besoin d'avoir une vraie stratégie pour les mettre quelque part. Pour faire ceci, on a besoin de beaucoup de choses. Mais d'abord, les gens ont besoin d'un abri au moins temporaire. Et ça, c'est aligné avec le public avec lequel on travaille, c'est-à-dire ils ne veulent pas s'établir en France, des mineurs non accompagnés. Je parlais de ce premier abri, accueil provisoire d'urgence. Ce sont des accueils qui sont loin de la ville, donc beaucoup d'enfants refuseront d'y aller d'abord. Ce sont des accueils qui n'ont pas beaucoup de services, donc c'est un toit. C'est une salle d'attente, si vous voulez, avant que l'enfant rencontre quelqu'un qui travaille dans la contrebande qui va l'embrigader. Donc, les conditions sont loin d'être optimales et on ne donne aux enfants rien. Les enfants, on leur donne ni l'information, ce qui pourrait être un suivi. Donc, ce qu'on veut, c'est que d'abord, les enfants doivent être dans ce campement, être capables de se reposer pour qu'ils puissent commencer à penser et pour avoir leurs, disons, besoins basiques satisfaits. Et ils devraient avoir plusieurs options avant de créer des structures formelles pour leur donner cette structure formelle de protection de l'enfance. Là, on va les perdre parce que le lendemain, on leur demande « est-ce qu'on peut évaluer leur âge ?» Ils ne vont pas vouloir parce qu'il faut qu'ils comprennent ce qui va suivre. Ils ne comprennent pas les structures. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Merci beaucoup, Julie. Merci, Pihi. Et je crois que c'est tout pour nous, pour ce panel. Donc, vous pouvez toujours nous contacter. Oui. Évidemment que personne, aucun pays, aucune organisation peut se préparer en réponse à la question de Marina. Mais il faut qu'on apprenne, vu ce qui s'est passé en Ukraine. Donc, malheureusement, lorsqu'il y a une crise, on se focalise sur ce qu'on peut faire et non pas se préparer pour la prochaine fois. Smile of the Child a fait une zone de récupération d'urgence à Athènes. C'est un endroit qu'on n'a jamais utilisé, mais c'est, disons, un dernier recours. Si rien d'autre à Athènes ne fonctionne, nos travailleurs vont travailler là, à l'aéroport. Donc, vous pouvez penser aux possibilités des crises, mais bien sûr, une ligne dédiée. C'est ça. Si les lignes ne fonctionnent plus, si vous ne pouvez pas aller au travail, comment vous pouvez répondre aux besoins des enfants, aux familles? Comment faire? Ça, c'est une façon. Et aussi sensibiliser et donner des formations pour les enfants, pour les parents, pour les adultes, les professionnels, pour qu'ils soient alertés, conscients, pour qu'ils puissent répondre le mieux possible. Merci beaucoup d'avoir répondu. Je suis très contente que quelqu'un a répondu, a commencé à réfléchir pour éventuellement être prête à une situation pareille. Merci beaucoup.